Super, j'aime bien. Voilà. Quelle est ta couleur de vêtements que tu aimes le plus? Le rouge. Ah, le rouge, ok. Le rouge, le ok. Dans quel type de vêtements tu vas porter dans ce cas-là? Si c'est du rouge, tu vas porter quel type? Si c'est du rouge, je ferai plus une robe. Mm-hmm. Ok. Si c'est du blanc, je ferai plus un tailleur. Ok, intéressant. Ok. Et tu dis quelque chose de sexy pour ça? Ouais. Ok, parfait. I'm gonna put on a liquid air behind it. I'm gonna put on a Non, pas de problème. Voilà, exactement. Excusez-moi. Allez-y. Faites pas attention. Allez-y. Faites pas attention.
La signature. La signature. Ouais. Mmh. Ok. Là, qu'est-ce que. Comment tu peux te projeter dans 10 ans, par exemple? C'est... Et si jamais tu as une projection ou si tu as un truc dans 10 ans? Dans 10 ans, je ne me projetterai pas dans la main parce que c'est pas très sûr. Ouais. Donc, dans 10 ans, ce sera plus dans les études. Donc, dans 10 ans, j'en serai. Pour moi, j'aurais déjà mon master, j'aurais validé ma profession d'avocat. Et je me vois vraiment dans un cabinet, peut-être au Luxembourg, si c'est pas en Europe, au Canada. Travailler dans la protection des droits de l'homme. Ouais. C'est ça vraiment. Non, en Afrique, les moments les plus importants, c'est ça, frère. Ouais. Là, t'es en train de... Mais bien sûr. Là, tu manges à 10h du matin, sous le manguier, frère. Bien sûr. Tu vois. Là, tu manges dans le jardin. Tu manges la pâte sous le manguier. Avocatier. Hein? Avec l'air tu te lèves, tu tapes, là. Jette le truc. Tu jettes ton chausson. L'avocat est tombé. L'avocat propre. Tu coupes. Il y a des avocats au pays. Mais, oui, avocatier dans la guerre de Madara. Oui, des avocats. Avocatier mangué. Jusqu'à les petits cons, on dit d'arrêter de toucher au truc. Je dis, tu jettes ça. Je dis, truc, va chercher. Jo. L'amène avocatier, tu découpes. Prends tes pains là. T'en as marre. T'en as marre. Ça, c'est un arbre sacré qui est l'arrière. Un arbre sacré dans la forêt sacrée. Donc, c'est un séquoia qui a des centaines d'années. Et donc, la légende dit que il y a un roi qui s'est réincarné dedans. Donc, l'arbre là, il ne peut pas être détruit. Parce que tu vois, là le truc que tu vois à côté là, ça c'est la première maison d'un béninois qui était capitaine dans l'armée française. Et quand il est revenu de la guerre, il a construit une maison. Un béninois qui était capitaine de l'armée française? Oui, il y en a plein. Les Ivoiriens sont partout. Moi, le chef. Décoration, le champ de marché de Noël.